السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الزفلو. الفيديوهات السابقة درت لكم لا بروميير فيديو سكي كونسيرن تي سي تي بي اي اس او. ابخي لا دوزيام فيديو درتها لكم سكي كونسيرن تي سي اف دي ار بي. اي سيت فيديو بيان لا تخوازيام فيديو سا سخا بور لو تي سي اف دالف اي دالف. وقتها راح يكونوا ولا وقتها راح تسجل بور لو تي سي اف دالف اي دالف. اي وقتها راح تفوت التست تاعك. يا سكان المملكة بلا هم الغايب يعلم الحاضر واللي ما سمعش يخبر اللي سمع. Donc pour la session de l'examen TCF DELF et DALF, il va y avoir deux sessions. La première session c'est automne 1 et automne 2. Donc la première session elle sera pour le 2 septembre. Après la passation de l'examen, il va y avoir sur trois parties. Le 1er octobre, il va y avoir l'examen ORO, B2 et C2. Le 2 octobre, il va y avoir l'examen écrit. Le 8 octobre, il va y avoir l'examen oral pour le C1. Les résultats de ce test-là, ou bien le test DELF et DALF pour la session de 2 septembre, ils vont être délibérés le 4 novembre 2021. Pour la session automne 2, les inscriptions pour cette session, ils vont être le 4 novembre 2021. Pour la passation de l'examen, le 10 décembre, il va y avoir le test oral C2, B2. Le 11 décembre, c'est écrit. Le 17 décembre, c'est oral. Pour la délibération des résultats de ce test de 4 novembre 2021, ils vont être le 20 janvier 2022, Inch'Allah. Voilà en ce qui concerne les rendez-vous de TCF de DELF et DALF. J'espère que je vous ai bien expliqué, ou bien j'espère que vous avez bien compris ce qui concerne la passation de cet examen, et bien pour la prise de rendez-vous pour l'examen de ce test. Donc, la canal de commission, ou la STF, ça va être dans le commentaire, où je vais vous répondre le plus tôt possible, Inch'Allah. وما بقى لي نقول لكم قبل على خير، تهلا في رواحتكم على بروشون ان شاء الله. سلمى فيكم.